Bonjour, je vais vous présenter la serre. Donc on peut voir ici ce lieu d'exposition magique au cœur de Saint-Étienne. Voilà, avec une belle vue sur la ville. Et on va visiter du coup l'exposition de Clémentine Chalençon. Donc on peut voir, il s'agit de peinture à l'huile, essentiellement. Elle a utilisé un petit peu de tempéra, par exemple sur celui-ci. C'est des pigments avec de l'œuf. Elle aime travailler à base de sa banque d'images de photos. Elle fait aussi de la photo argentique. Et lors de ses prises de vue, il arrive qu'elle ait des petits accros, par exemple, sur l'image. Et ensuite, elle va le retransmettre dans un autre ton, le ton de la peinture, pour changer un petit peu du côté très instantané de la photo, pour donner une autre temporalité à ces images, quoi, à ces productions. Voilà. Alors on peut voir ce lieu qui est assez magnifique, qui fait partie de l'ancienne école de beaux-arts. Elle s'intéresse beaucoup à la lumière. La lumière, comment représenter la lumière, les contrastes, les reflets. Et du coup, là, ces dernières productions, elle les a réalisées pendant le confinement, où il y a un jeu comme ça entre la lumière, les reflets et plusieurs espaces différents. Donc on a l'eau, les poissons et le reflet de ce qu'il y a autour. On peut voir aussi que cette peinture en particulier trouve très bien sa place dans ce lieu où, qui est très végétalisé. Je vous invite à venir voir cette exposition à Saint-Étienne dès que vous pouvez.